Yo les amis, c'est Amé, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième session de Pokémon Violet. La première, on l'avait fait deux jours avant la sortie et du coup Twitch nous avait ban pendant 48 heures. Aujourd'hui, c'est vendredi 18, le jeu est sorti et donc on peut reprendre notre aventure. Je vais juste éteindre la musique. Ouais, voilà. Comme ça, on va pas être gêné. Voilà, nickel. Et là, j'ai un retour direct. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Les Pokémon qu'on a tapé la dernière fois, je les ai mis dans la boîte PC. Voilà. Et la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé, vous allez me dire? La dernière fois, eh bien, on a commencé notre aventure. Le proviseur de l'académie dans laquelle nous sommes censés aller nous a donné du coup notre premier starter. Et on a Pouchacha, voilà, qui fait des fights sans que je lui dise d'en faire, mais qui du coup XP constamment. Ah, rude. C'était pas dans mon bon vouloir ça. Attendez, hop. Je coupe juste le son de la télé parce que sinon c'est beaucoup trop fort. Mais Après, du coup, j'ai même pas envie de ce que j'ai mis. Ah, mais c'est de l'eau. En tout cas, c'est grave bien. Parce que la dernière fois, on était masse sur le live, c'était grave cool. Et je vous remercie encore. Et franchement, c'était insane. Aujourd'hui, je sais qu'on sera pas autant parce que bah, beaucoup de gens stream Pokémon ce soir. Mais c'est pas grave. Plus en vrai, c'était quand même une très bonne soirée. Donc, on va juste rock set the pony. Donc, je sais pas encore comment va se dérouler encore les épisodes. Je pense que je vais faire un peu comme contrôle. J'aime bien, genre, tourner toute une session sans forcément dire bonjour, au revoir. Et ensuite découper ça. C'est pas mal, je trouve. Et en fait, du coup, ouais, c'est un bail où... Ah, on peut lock les Pokémon. Ok, et là, du coup, il attaque tout seul. Dac. Alors là, par exemple, toi, tu me saoules. Ah. Hein? Pourquoi je peux pas lock ce Pokémon? Ah bien sûr. Ouah, c'était bizarre ça comme façon de lancer. Ok. Ok. C'était bizarre quand même. Mais ok. Salut Pepirox. Alors le nouveau Pokémon. Mais le nouveau Pokémon, il est trop bien. Le premier live on avait fait, on s'était fait ban de Twitch parce qu'on l'avait fait un petit peu en avance, tu vois. Et du coup, effectivement, on s'est fait ban 48 heures de Twitch à cause de ça. Mais en vrai... Vas-y, attends. Doute-le. Parfait. J'augmente un petit peu mon niveau comme ça. Hein. Voilà. Attends. Non, attaque-le. Voilà. Hop. Je t'ai vaincu, parfait. Ah, je crois qu'il y en a qui nous en veulent là. Ah, en vrai, c'est vraiment pété de pouvoir envoyer son Pokémon comme ça. Par contre, j'ai très hâte de pouvoir contrôler le. Il tue tout le monde. Mon Pokémon tue tout le monde. Voilà. C'est énorme de pouvoir jouer comme ça, c'est dingue, j'imaginais même pas. En fait c'est une technique de farm qui est vraiment incroyable pour le coup. J'ai deux Pokéballs. Ok. Oh. Tu l'attaques pas? Je sais pas pourquoi des fois elle les attaque pas. Bon, je sais pas vraiment comment ça fonctionne encore, mais on finira par trouver. C'est quoi ce truc là? Oh, c'est le Pokémon qu'ils ont présenté dans le... Attendez, lui faut que je le...
je peux pas le lock? Merde. Attendez. Oh mais pas toi! Mais dégage de là! Dégage de ma vue! Qui s'en boule? Non mais... Quel truc relou, moi je le Pokémon sur son rocher là. Tu vois pas que je suis occupé? D'ailleurs c'est le seul qui a pas disparu quand j'ai... Est-ce qu'on peut vraiment l'attraper? Je sais pas. Mais c'est un de cette nouvelle chaîne ça. Alors je le veux forcément. Hop hop. Attends mais... On peut pas sauter bien sûr. Oh! Voilà il s'enfuit. Super. Crevez moi encore. Hop. Voilà, allez, éclate-toi. Oh, peut-être prendre cher. Hein. Oh, une Pokéball jaune. Oh, là, c'était Météor. Ok, oh, il y a un truc là-bas. Mais c'est pas par là qu'il faut qu'on aille. Hein. Vous savez, est-ce qu'on s'en fiche? Il y a moyen en vrai qu'on s'en fiche. Oh, je crois que mon Pokémon, il va mourir. Attends, attends. Non, c'était pas ce que je voulais faire. Ouah, wow, il lui reste un PV. Vraiment, j'ai pas été très regardant sur ça. Waouh. On n'est plus en état de combattre. Ok. Sac, potion. Ça, après, on en a plein, donc c'est pas très très grave. Voilà. Hop, j'ai récupéré ça. Je vais récupérer l'objet qui est là-bas. Il y a plein d'autres trucs en fait. Mais j'ai envie d'explorer absolument partout. C'est un open world. Mais en même temps, je me dis que on va suivre l'histoire pour l'instant, tu vois. Je veux mon Pikachu Terra cristallisé aussi. Mais du coup, pour l'instant, il peut me suivre, c'est ça? Si je fais ça, tu me suis? Tu vas aller te battre forcément. Il a rien intégré, il va attaquer. Ok, donc il fuit dès qu'il est plus en état de se battre. Ok. Bon, c'est logique en vrai. Bon, où est-ce qu'il fallait qu'on aille? Il fallait qu'on traverse ça et qu'on aille au centre Pokémon là-bas. Ok. Donc on y va. Je sais pas s'il y avait d'autres trucs à récupérer. Oh, attends. C'est un Evoli ça? Ah non, c'est à Vivaldin. Mais on l'attrape. C'est un Vivaldin. Je sais pas, il avait des têtes, il avait des oreilles. Puis, oh, peut-être un Evoli. Mais non, c'est un Vivaldin, prenons-le. Tu lui fais un griffe, hein, c'est bon. Ah. Quand même. Bon, s'il fait que ça, en vrai, ça va. Attaque griffe. Ça commence, ça commence. Il m'a envoyé qu'un seul truc et il m'empêche déjà de me battre. Mais non, mais c'est bon là, il me l'a envoyé qu'une seule fois, poussière de sable. J'ai de sable, je veux dire. Bon, deux fois maintenant. Après le niveau 7, je me dis... Il rentre, j'ai un malentendu. Allez, tu rentres? Il rentre, bon. Non mais c'est vrai que les Pokémon niveau 7, j'ai souvent tendance à oublier, mais ils rentrent facilement dans les Pokéballs, donc fatalement, oui. Vivaldin. Non, je voulais pas qu'il rejoigne mon équipe, mais... Vous savez ce que j'en pense, les gens qui rejoignent mon équipe sans me demander. Hop, j'ai gagné une baie, un réveil... Je sais pas s'il y avait un truc à récupérer là-bas, mais en tout cas, il y a un objet là-bas. Psycho quoi qu'on l'attrape. Oh, c'est les nouveaux axolotos. Attendez.
Non, non, c'est il fait partie des nouveaux axolotos. Attendez, on va reboost plus Sacha. J'en veux un nouvel axoloto, les axolotos de Paldea. Est-ce qu'on peut faire morsure? Je sais pas quel type il est en fait, les nouveaux axolotos. Du coup, j'ose pas faire un truc plante, parce que je sais qu'à la base, il craint ça. Et s'ils l'ont mis type sol, bah il pourrait me craindre. Et du coup, c'est un petit peu chiant s'il meurt. J'ai plus que 7 Pokéball aussi, faudrait que j'en rachète. Toujours avoir une dizaine de Pokéball. Quoique là, on est en monde du vert. Toujours avoir une vingtaine de Pokéball. La Pokéball qui vole, on apprécie. Toujours autant. On apprécie toujours autant la Pokéball qui vole. C'est un classique. Le Pokémon aussi. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, oh putain, ça a mis du temps à charger ça. L'entrée dans le Pokédex d'Axoloto. Ok. Non mais en fait moi je sais qu'à partir du moment où je vais aller au centre Pokémon, je vais pouvoir avoir le Pikachu là. Et je veux le Pikachu. Donc va falloir qu'on le fasse vite, voyez-vous. Il y a énormément d'objets à récupérer partout quand même. Là je sens que ça va être le jeu vraiment où... Oh, attendez. Je le veux, c'est bon, je l'ai. Dites-moi que c'est un mâle. Ou non, une femelle en fait. C'est une femelle, let's go. Ouais, en fait, je me suis dit, au début, je voulais un Gardevoir, mais je vais avoir un Malvalam. Et du coup, je me suis dit, au final, un Gardevoir, c'est pas plus mal. Du coup, on va avoir un Gardevoir, let's go. J'adore les Tarsals. Ah, mais du coup, on a récupéré des Pokéballs. Bah oui, je suis bête. Du coup, on a 9 Pokéballs et plus 7. Oh, mais c'est vrai qu'en plus, on va récupérer plein de la nature. Ah, oh, ça peut être vachement worth it. Ok. Vous avez attrapé Tarsal. Babiole de Tarsal. Psyphée. En plus, je me dis, Psyphée, c'est peut-être mieux qu'un combat psy, je sais pas. Ouais, il a beaucoup de... Un tout doudou. Il y a des tout doudous. On va attraper un tout doudou, les amis. Je t'explique le glitch. Attends. Tu m'expliqueras quand j'y serai. Là, j'y suis pas du tout pour l'instant. Oh, il y a des... les petits chiots, là. Je sais plus comment ils s'appellent. Ah oui, bah oui, c'est vrai que je l'ai pris par surprise. Donc, il y a toujours la mécanique de Pokémon Arceus quand tu surprends un Pokémon de dos, en fait. Ça, c'est vachement intéressant. Ah, j'y suis. Bah, écoute, vas-y, explique, hein. Après là, j'ai clairement pas le niveau pour me fight avec des Pokémon de haut niveau. Hein, donc, Let's go, on a un tout doudou. Est-ce que ça va nous servir? Absolument pas. Est-ce qu'on garde Tarsal dans la team? Moi j'ai bien envie de garder Tarsal dans la team. En vrai, non? Pouf. Tout doudou, wreck. C'est le chien là. Ouf! Ah, je l'ai étonné, je crois. Du coup, ça fait que je vais pouvoir le. Non, mais je vais pas venir Discord, mec. On est en live. Au calme. Mais de toute façon, je me rappelle, tu m'as parlé d'un passage avec un trou. Genre, je vais le croiser, y a pas de souci. Ah! Trop yimbe, je suis paralysé. Bah, écoute, je vais partir du principe que Patachio, tu rentres. Allez, rentre Patachio. Rentre. Let's go, rentre. Vous avez attrapé Patachio. Oui, c'est son nom. Ok. Parfait. Non, le problème... C'est pas ça le problème, c'est que tu vas pas le croiser. C'est perdu. Oh... Est-ce que je suis obligé de... C'est pas grave, hein. Mais de toute façon, j'ai pas envie d'avoir des Pokémon niveau 30 maintenant, sinon le jeu il va être trop facile après pour moi. Genre, mets-toi à ma place, tu vois, genre il va être trop simple. Genre j'ai envie de le faire un peu RP, quoi, entre guillemets. Donc, les nouvelles stations service de Pokémon... C'est les centres Pokémon maintenant, on dirait des stations service. Plus il y a plein de pubs, trop bien.
Ça, c'est un centre Pokémon. Tu peux y faire un tas de choses pour tes Pokémon. Bonjour, pouvez-vous lui expliquer comment ça marche ici? Oh, infirmière Joël. Bien entendu, tout d'abord, bienvenue au centre Pokémon. Mon rôle est de soigner les Pokémon de tous nos visiteurs. Non mais mec, ils vont vraiment nous expliquer ce que c'est un centre Pokémon. Juste à côté de moi se trouve la boutique Pokémon. Vous pouvez y acheter des potions ou encore des Pokéballs pour capturer des Pokémon. La boutique accepte aussi les points de ligue, ou PL, comme moyen de paiement. Un PL est égal à un Pokédollar. Alors... Oh, regardez le PNJ derrière. Et les Pokémon qui volent derrière. Oh là là, il est à 3 FPS. Ah, le jeu... Aïe, aïe, aïe. Non, mais bougez pas la cam quand c'est comme ça. Une machine à 7T. Ce sont des objets qui permettent à vos Pokémon... Oui, je sais ce que c'est. D'accord, donc on peut en acheter ici, d'accord. Les PL sont super utiles, tu peux utiliser... Tiens, je t'en donne, j'en ai plein. Oh, j'adore ça, ok. Waouh, il m'a donné 6051 points de ligue. Le club Union vous permet quant à lui de vous connecter avec d'autres dresseurs pour recruter des compagnons d'aventure. Bref, si vous avez... Ok. Merci pour ces explications, tu as bien compris, en cas de difficulté, quand tu commences à t'habituer à tes Pokémon, oublie cette phase... Oublie pas cette phase de bouton R en avant. En gros, en appuyant tu peux demander à un qui suit d'aller ramasser les objets tombés au sol ou bien d'aller se battre. D'accord. Si les PV, il ne pourra pas se débrouiller tout seul. Donc si votre Pokémon a fait le... Tiens, un combat. Vous envoyez un... Se battra en combat duo. C'est un Pokémon que vous envoyez en avant commence un combat, il se battra en combat auto, pardon, ouais. Ça nécessite de donner des ordres. L'issue du combat auto dépendra de la force respective des Pokémon de leur type, bien évidemment. Partie aventure, ok. Donc déjà, tu vas me soigner mes Pokémon, please. Ah, je voudrais enregistrer mon anniversaire, tiens. Ah, vous allez connaître la date de mon anniversaire. Ah, c'est le... Ah, le mois de naissance. C'est le 03. Et c'est le 29. Oh, 29-3. Ouais, c'est ça, ouais. Passez donc au centre Pokémon le 29-3. Nous serons ravis de voir le jour de votre anniversaire. Ok. Et maintenant, est-ce que tu peux vraiment soigner mes Pokémon, du coup? Merci. Ah. Oh. Petite animation qui change, c'est sympa. Attendez, juste... Voilà. Parce que sinon, il y a le fil de la caméra qui passe devant l'écran. En fait, je ne sais pas si vous le savez, mais... Lorsque vous ne savez pas où aller, rendez-vous au centre Pokémon le plus proche. Ouais, donc en gros, si on est perdu en aventure, tu dis où c'est, quoi. Vous êtes peut-être déjà au courant, j'espère que cela vous sera utile. En tout cas, à bientôt. Je vais juste aller dans mon PC et déposer ces grosses merdes là. Pardon, excusez-moi. Je veux dire, ces Pokémon qui ne m'intéressent pas. Tarsal, on va le garder du coup. Alors, Tarsal, je veux juste avoir un truc, mon petit Tarsal. Il y a moyen que tu gères, t'as un moment dans la team, mais voilà. Je veux connaître c'est quoi tes capacités. Type de Terra Crystal fée, ok. Venge-le, choc mental. Choc mental, c'est pas mal. Il aime combattre. T'aimes combattre. Il aime combattre. Poké Portail, c'est quoi ça? Ah, c'est peut-être le truc pour avoir le cadeau mystère. Alors peut-être. Let's go. Via internet. Bien sûr. Les gars, on va obtenir notre troisième Pokémon. Non mais t'inquiète, Pépito, on va trouver. Y'a pas de soucis, on va trouver. Yes. Connexion internet activée. Yes. Recherche de cadeaux en cours. Yes. Pikachu type tira Crystal Ball. Yes. Yes! On va avoir un Pikachu dans notre équipe. Lui, par contre, on va le mettre en tête d'équipe. Hein. Je vous dis.
bien Terra Crystal Vol et moi ça m'intéresse énormément. Let's go! Pikachu mal en plus, au vu de sa queue. Voilà, Pikachu souris électrique. Quand plusieurs de ses Pokémon se réunissent, ils provoquent des gigantesques orages. Normal. Perfect! Votre nouvel ami se place parmi les Pokémon de Zerive, allez le voir. Ouais, je vais me déconnecter d'internet. Bon, je pense qu'on a vu assez de choses. Parce qu'après, il y a quoi d'autre? Stade de combat, stade combat en réseau, échange magique, échange en réseau. C'est le GTS quoi. Okay. Mais du coup, je suis en mode hors ligne, c'est ça? Attends. Non, ça c'est pour sauvegarder. Connexion internet activée. Ouais, voilà, je peux jouer en mode en ligne. Ouais, ouais. Joue en mode en ligne. On sait jamais, il peut arriver des choses intéressantes. On peut pas aller dans nos Pokémon là. Ah, c'est bon. Bon, il est niveau 5, Pika. On va le placer en tête d'équipe, je vous cache pas. Voilà. Donc là, je fais ça. Bichon, j'ai un Pikachu, bon c'est cool. Ok, donc du coup là on est dans la ville. Alors du coup attends, ton passage Théo, il est moi je dirais qu'il est, je sais même pas où il est. Ah bah c'est pas le truc là-bas là? Non c'est une ombre. Ah non c'est l'ombre d'un nuage. Va à gauche. Merde, j'étais à droite. J'ai été à droite. Dans cette direction là. Logiquement à la gauche. Non. Bah mec, faut savoir. Eh, donne-moi nord-sud-est-ouest. Je veux dire, on a une boussole sur la map. Non mais mec, non non, vas-y, donne-moi la direction. Tu me donnes nord-sud-est-ouest, puis voilà. On a une map sur le truc. J'aime vraiment pas cette dégaine. Hein. Va falloir qu'on change de vêtements. Jaune. Frère, ça s'appelle l'Est, ça. Ça s'appelle l'Ouest. Putain, en plus, il me fait tremper. Ça fond dans la bouche. Pourquoi t'es jaune, toi? On peut t'acheter. Oh. Intéressant. Mais attends, d'abord, bah du coup, attends, on va aller vers jaune, mais d'abord, je voulais voir ce que ça vendait. Acheter. Une Honor Ball, let's go. Voilà, parfait, merci. Alors, on va vers l'ouest du coup. Dans les montagnes. Dans les montagnes? Oh, mais c'est loin ça. Oh, il y a un objet là-bas. Pikachu, défonce-le. Oh, mon XP. Waouh. Voilà, soigne-toi quand même. Hein. Ah ouais, mais frère, t'es que mid-life quoi. Bon. Ah, mais il est quand même level 7. Hein.
Les gars, j'ai l'impression que vous me... Vous m'encerclez, quoi. Lui, le level 8, un peu trop. Level 5, ça le fait. Ok. Level 7, ça se tente. Parfait. Ah. Bah frérot. Tu t'es failli t'acquis là. Ah mais lui c'est un level 8. Fais attention avec ce qui tu te bats. Genre lui par exemple. Ah. Non mais il me saoule par contre, t'as pu être en énergie toutes les 5 secondes. Vas-y. Si je veux lui éclater la bouche, je lui éclate la bouche en fait. Merde, tu fais... Ah c'est vrai qu'on a vol en plus. Ah mais lui c'est un type électrique donc on va faire vive attaque. Ouais. Vas-y, fais information parce que je le connais pas du tout. Oh mais lui tu voles. Vas-y. Thunder. Ouah, par contre il va m'exploser la bouche. Ok, vas-y. Oh, continue à baisser mon attaque. Je t'attaque avec des attaques SP, mec. La montagne, là, tu... Tu regardes, tu montes là. Ok. Problème de vol, c'est que... C'est du physique, quoi. Attachou est paralysé, elle a pas pu attaquer. Ché. Tu connais que Mimiqueux et Rugissement ou quoi? Comment t'as pu te faire abattre par ça? Bah, je fais une dernière fois éclair là et c'est finito. Non mais voilà, Pikachu qui perd contre ça. Il vaut entendre ça que d'être sourd. 135! Il est monté level 7. Waouh, mon Pikachu il est déjà niveau 7. C'est bien ça. Ça c'est un bon Pikas. Ok, bon. Donc, zone sud 1. On traverse les montagnes. Vous savez qu'à un moment il va falloir reprendre l'histoire principale quand même. Ici, j'ai deux Pokémon. Oh, c'est un dresseur ça. T'es un dresseur? Ouais, c'est un dresseur. Gauche! Oui, bah 30 secondes, on va à gauche. Détends-toi. Oh, regarde, il y a encore un petit là que je voulais attraper là. Oh, Azuril, il lui fait la peau. On va l'attaquer avec Vol, qui est une attaque qui n'est pas de notre niveau, mais qui du coup fait beaucoup de dégâts. Vol, c'est très puissant comme attaque. Déjà, Pikachu s'envole. Moi, ça me fait beaucoup rire de voir ça. Oh, Azuril utilise Trempette. Boum! Pistolet à eau. Il sait que je suis un Pikachu ou... Il est juste bête. Boum! Ah, Pikachu, il va XP bien, là. Il va prendre de la graisse. Seulement 21 d'XP? Mais non, mais on continue. Malos. Je trouve que c'est vraiment gênant ça. Pas tant que ça. On va voir un Malos de niveau 5. En plus on peut l'exploser. Hein. On est plus rapide. Hein. On est Pikachu bordel. Est-ce qu'on va faire évoluer ce Pikachu? Bien sûr que non. Ah mince. Ah non mais c'est pour lui. Ok. On augmente son attaque. Mais on va quasiment le one shot donc c'est pas très très bien. Bah, il augmente son attaque pour m'envoyer l'attaque spéciale. Il est bizarre lui. L'IA n'est pas encore très intelligente hein, dans Pokémon. Ouais, bah t'as deux Pokémon. T'avais deux Pokémon, mon ref. Vous avez battu Guy l'étudiant.
Et mes deux Pokémon. Ouais, battu par un seul, hein, on précisera. Voilà, ciao. Alors, gauche. J'imagine que c'est là, la gauche. Je monte. Je récupère des petits trucs de part et d'autre. Oh, une filet ball! Intéressant. Des combats. 13 d'XP. C'est pas mal. On avance. C'est peut-être ça le trou dont tu me parlais, non? Oh, l'idiot. J'avais pas vu que c'était un gang de... Oh là là. Ouais, c'est là. Ok, bon. On y est. Oh. Et ils sont quand même level 7, hein, les passes rouges. Hein. Ah. Alors que je donne une potion à mon Pikachu si je veux qu'il combatte. 79. Et il apprend reflet. Non, c'est de la merde, reflet, mec. Pourquoi tu vas prendre ça? Du coup, je vais te soigner un peu quand même. Ok, perfect. Oh! Attends. Toi, je te veux dans mon équipe. Enfin, pas dans mon équipe, mais dans mon Pokédex. Timanzai, là. Oh, j'ai rien qui lui fait des dégâts, mec. On tente. Sur un malentendu, ça passe. J'ai rien qui lui fait des dégâts, mec. Je jure, j'ai rien qui fait des dégâts. Ça passe. Je l'avais dit, sur un malentendu, ça passe. Voilà. Feuille magique. T'apprends. C'est très bon, feuille magique, ça. Tu mimiques, on s'en bat la race. Hop là. Pousse achat, oublie mimiqueux et apprends feuille magique. Parfait. Merci Pouchacha. Pouchacha, pardon. Pokémon enregistré. On va pas du tout le mettre. Hein. Moi je ne veux que Coraidon dans ma team dans tous les cas. Attendez. Hop là. Vas-y. Hop là. Encore un. Hop là. Encore un. Bon, lui il veut te fight apparemment, donc tu l'exploses la bouche s'il te plaît. Ok, donc le trou. Ouais, il y a un insolure d'eau autour de... C'est quoi ces merdes? C'est ça le trou, mec? La bague là. La bague Gotha a trouvé un shiny. C'est ça le trou, mec? Ouais. Casse pas trois pattes à un canard. Même pas envoyé aussi loin, mec. Oh, attends. Oh, ouais, effectivement, il y a du level là-haut. Attends, j'avais réussi à... avoir l'un seul lourdeau. Ça fait quoi si je l'attaque, lui? Mais on va se faire exploser la bouche, en fait, genre. C'est pas forcément une bonne strat, hein. Sur un malentendu, ça passe. Ça passe pas. Faut fuir. On fuit les gars. On fuit. On fuit vite. On fuit en courant. Ah oh. Wesh. Il m'a pris quoi? Attends, quoi? Je peux remonter? Oh. Alors ça par contre ça va être incroyable ça. Si par exemple on tombe d'un truc ou quoi. Et je crois que du coup j'ai le truc anti-chute qui m'empêche de choir, non? Ouais, incroyable ça. Bon, on va viteuf. On va soigner Pikachu quand même. Ensuite, je vais parler à Manzi et on continue l'aventure parce que on s'est suffisamment attardé. En vrai, il n'y avait pas des trucs de fou là-bas. Hein. Il y avait un seul lourdeau. Bonjour le truc. Et, oh, je me prends tout. Ah, ça c'est les. C'est un type feu ou un type eau? Ah, on le voit pas. C'est les nouveaux tauros, c'est les tauros de Paldea. Je sais que nous on a les types O dans la version violet.
Et la version écarlate, elle a les tauros de type feu. Voilà, il peut y avoir deux types différents. J'aurais préféré avoir le type feu, je vous cache pas. Mais bon. J'aimerais avoir un Pokémon. Bah, travail. Ouais, soigne mon Pokémon, s'il te plaît. Oh, y a des gens qu'il faut qu'on vire. Hein. Si tu peux continuer, t'as Ryu. Si tu peux continuer, tu as Ryu, Riolu et un Sécateur, tout ça. Ouais, mais ils sont level 20, mec. Ça sert à rien, je peux pas pouvoir les faire. Ah. Merci de m'informer ça, mais effectivement, je le connais déjà. Alors, maintenant que tu as vu Plateau Réal, direction zone sud numéro 1, la fameuse colline de l'école. Tu vas y voir plein de dresseurs qui veulent se battre, accroche-toi bien. Ah, j'ai compris. Mec, tu sais que j'ai compris. Mais j'ai compris que maintenant. Donc, ok, donc ça m'a fait bouger, effectivement. Toxizap. Bon, il a l'air mignon, ouais. J'ai pas du tout la capacité. On n'avait pas réussi à fuir. Sur un malentendu ça passe, je pense pas, il est niveau 22 quand même, mais bon. Bon, ça ne marche pas du tout. Il est trop mignon par contre. En vrai il a pas l'air très très fort. Bon, il augmente, il baisse ma capacité éclair en gros là. Tax P, c'est pas grave. Ok, là je vais voir s'il utilise notre capacité. Gigotage, ok, donc là ça m'empêche de me prendre des dégâts. Mais non! En vrai il est capturable, je pense qu'il est capturable. Et je le trouve trop mignon personnellement. Donc à voir, moi je voulais une team full... full ça, mais je sais pas quel type il est, on dirait. J'ai un type électrique peut-être, il me ferait peut-être deux types électriques, c'est pas ouf. En vrai, je pense qu'on peut l'avoir. Les gars, ça va être super long, mais on peut l'avoir. En vrai, à partir du moment où on a ce Pokémon-là, on va pouvoir attraper les autres, non? Par contre, si on arrive à l'attraper, je le mets dans le PC. Ouah, trop fort encore. Ok, waouh, waouh, waouh. Vachement violent. On va envoyer Tarsal. Je sais pas, Tarsal, j'ai l'impression qu'il peut tank. En fait, il peut tank le temps que je donne un rappel à Pikachu. J'y crois. Pikachu, je veux qu'il gagne ce combat. Là, il va pouvoir forcément. Et du coup, Pikachu, puisqu'il est KO, il va reprendre ses stats. Pikachu, du coup. On va y arriver. Je veux y arriver, bordel. On a un niveau 9 et on peut se fight contre un niveau 22. Je suis sûr qu'on peut y arriver. Sur un malentendu, ça passe. Oh les gars, j'ai cru qu'on allait le tuer. J'ai cru que j'allais mourir. Attends. Là on peut le Pokéball. Là on peut le Pokéball, les gars. Si on peut pas le Pokéball, c'est n'importe quoi. Rentre dedans. Mais c'est quoi ce Pokémon? Comment tu sors à cette vie? Non mais frère, tu peux pas. Rentre dans la Pokéball en fait, genre fais un effort s'il te plaît. Let's go. Il est rentré. On a Toxizap. Je ne sais pas quel type ce Pokémon est, mais on a gagné 421 d'XP. Et ça, je suis pas peu fier. Let's go. Et il a rejoint notre... Électrique poison, j'avais raison du coup. Toxizap. Attendez. On va... Eh, niveau 10, hein. Il nous a fait monter d'un niveau. Ouah, il restait vraiment un PV par contre du coup. Rappel, utilisé sur Tarsal et une petite popo. Ouah, pas besoin, non. Je veux juste qu'il prenne l'XP lui en vrai. En revanche, toi,
Je vais te taper une petite potion. Tu vas tanker s'il te plaît. Mais. Je lui ai donné. Ah, je suis un con. Il tient un objet, ouais. Retire l'objet. Bon, attends, c'est pas ce que je vais faire. Putain. J'ai pas encore l'habitude, hein, les gars, faut pas m'en vouloir. Vas-y, c'est pas grave, on a plus de potions. On en trouvera peut-être sur le chemin. Ok, bon. Vivaldin, trop level. Vivaldin et autour, c'est un. Ouais, c'est un Toxizap. Oh là-bas, c'est une salamandre. C'est. Ouais, ils sont agressifs ceux-là, je crois. Ouah, lui aussi il est agressif. Merde. Il y a un vampire. Ah, il y a des marilles. Ok. Moi, on m'a dit qu'il y avait un Pokémon ici. Qui pourrait m'intéresser. Oh, il est là. Il est là, il est là. Ok. Placé en tête d'équipe. Ok. Et il est level combien? Hop! Dans ta tronche! On t'a étonné, hein? Dis-moi que t'es un homme. C'est un homme! Oh non, du coup il a. Mais il avait ça? Ah ouais, mais ça je crois que ça empoisonne peut-être. Description de l'attaque, s'il te plaît. Le lanceur se tourne vers la cible. Un fusion ne fonctionne pas si le sort. Fait 120 de puissance ce truc. J'ai un peu peur mais vas-y. Ah bon bah non du tout. Toxizap n'obéit pas. Eh oui je suis bête. J'ai pas de badge. Ah, donc c'est à dire que même Toxizap il me sert à rien là. Ah si c'est bon, il peut obéir de temps en temps. Ok, il est paralysé, super. C'est déjà un très bon point. Ok. T'as joué, t'as voulu jouer au plus fin. Choix. Ok, pousse à chat, viens. On va lui régler son compte à ce petit Riolu. Ta cotille. Ça fait quoi déjà un feuillage? Ça fait assez de dégâts. Riposte. C'était violent, mais ok. Feuillage. Ok. Donc logiquement là, si je t'attaque avec un truc nul genre griffe, ça te tue pas logiquement. Parfait. Donc là on va essayer de t'attraper du coup. Je n'ai pas de potion. Du coup c'est Pokéball, tu rentres ou pousse à chameur. Tu vas faire quoi Riolu? Alors que t'es paralysé. Tu sors, oui, bien évidemment. Du coup, je vais mourir. Ah bah y, j'ai pas attaqué, du coup, tu peux pas riposte. Ah non. Ok. J'ai cru que je l'avais tué. Bon, pour Sacha. Saluons ce héros tombé au combat. Petit Pokémon, parti trop tôt. Manzai, je t'en prie. Si c'est pour un Lucario, je prends. C'est pas grave, hein. Vas-y, Pokéball, vas-y. Ça rentre. Oh, il m'a fait espérer. Ok, là il utilise une attaque de type combat, c'est ciao les gars. Si, rentre. S'il te plaît, Riolu, rentre. T'es paralysé, bordel. Il est paralysé, il lui reste un PV, mais le truc ne veut pas rentrer dans un Pokéball. Ça veut dire à quel point c'est compliqué d'attraper des Pokémon de niveau 20, wesh. Let's go, les gars. J'ai Riolu. Bon, je pense que on a fini. On m'avait dit qu'il y avait un Riolu ici. J'ai dit que j'allais le chercher. J'ai été le chercher.
Maintenant, on va continuer l'aventure, vous voulez bien? Parce que... moi, je peux pas, là. Genre, cette zone, elle est trop forte pour moi. Ok? Donc, on va redescendre d'un ton. On va aller soigner nos Pokémon. J'ai une Super Ball. Je me déteste, les gars. Oh, si vous saviez à quel point je me déteste. Les gars, il y a une Super Ball vraiment ici, quoi.